Dans cette vidéo, on va voir tous les secrets du château de Brookhaven. Et juste après, je vous montrerai un jeu qu'il ne faut surtout jamais rejoindre parce qu'il pourrait avoir de terribles conséquences sur votre Roblox. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin pour savoir et ne jamais rejoindre ce jeu. Et juste avant, et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, tu vas perdre tous tes Robux sur Roblox quand tu te connecteras. Alors abonne-toi si tu veux avoir plein de Robux. Donc franchement, à ta place, je m'abonnerai directement. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va directement passer à la première astuce. Mais juste avant, on va déjà aller s'équiper, hop là, comme ceci, le château qu'on doit avoir pour l'astuce qui est juste ici. Tac, on va se l'équiper. Et puis on va tout de suite regarder du coup le premier secret. Et du coup pour la première astuce, c'est cette personne qui nous présente un tout nouveau secret sur Brookhaven avec le château du coup qui est arrivé. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend à l'intérieur du château. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste devant le château. Ah et ok, elle montre du coup qu'on peut descendre et monter le pont en verrouillant la maison. Bon, ça je pense que c'est assez connu, mais si on verrouille ou déverrouille la maison, pour l'instant ça je pense que c'est assez connu, mais du coup ça enlève et remet le pont devant le château. Ça je pense que beaucoup d'entre vous le saviez déjà, mais dites-vous que ce n'est rien comparé à ce qu'on va voir juste après dans la vidéo. Car qu'est-ce qu'elle fait juste ensuite? Elle se rend à l'intérieur de la maison, juste ici au niveau du truc des livres. Et bon, ça encore je pense que beaucoup d'entre vous le savez, mais elle va ouvrir le truc des livres et ça va lui permettre d'accéder au coffre-fort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement essayer pour voir si le coffre-fort se trouve bien ici. Et du coup, on rentre dans la maison juste là. On va aller juste ici. Et du coup, normalement, regardez, si on active juste ici sur ces lampes-là, ça devrait ouvrir le coffre-fort juste ici. Et regardez, c'est bien le cas en tout cas. Là, on peut bien ouvrir le coffre-fort, le fermer, c'est parfait. C'est un premier mythe, en tout cas pour l'instant c'est validé. Pour l'instant elle a pas l'air de mentir. Qu'est-ce qu'elle nous dit ensuite du coup? Elle clique sur un bouton noir et elle peut ressortir. Ok, bon ça c'est normal jusqu'à maintenant, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle se rend à l'étage. Et à l'étage il y a un truc, ok qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend dans la chambre juste ici. Et dans cette chambre du coup, pourquoi elle se colle au mur et... Attendez quoi? Elle peut passer à travers le mur de cette chambre. Ok, on va essayer d'aller vérifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller à l'étage du coup exactement comme elle. Donc là tac, on va monter à l'étage directement. Et elle va du coup dans cette chambre là, juste ici, on suit exactement la même chambre qu'elle. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va directement aller, attendez, non c'est pas du tout cette chambre là, c'est la chambre juste derrière il me semble. C'est cette chambre là, ouais c'est cette chambre là, ok nickel. Elle va du coup dans cette chambre là et elle va au niveau du mur juste ici. Et déjà on peut voir, on peut cliquer sur le mur. Oh, attendez, regardez, on peut cliquer. À un moment, voilà, regardez. Attendez, à un moment, j'avais réussi, on pouvait cliquer. Ah ouais, juste ici, regardez. On peut cliquer sur un truc, je sais pas ce que ça active, mais j'ai cliqué en tout cas. Et bon, est-ce qu'on peut passer à travers? Et oui, regardez, on peut bien passer à travers. Et du coup, on a cette pièce juste ici. Et si on clique juste là, on peut cliquer sur ce panneau. Je sais pas ce que ça fait. On va regarder un peu la suite de sa vidéo, on va voir ce qu'elle fait juste après. Donc, elle clique sur le panneau. J'ai cliqué aussi du coup sur le panneau, c'est bon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va juste en bas au niveau de la cheminée. Et elle passe à travers la cheminée. Et il y aura cette lettre. On va tout de suite aller voir du coup qu'est-ce que cette lettre dit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au niveau de la cheminée juste en bas de la maison de Brookhaven. Donc qu'est-ce que... Ok, faut descendre juste en bas, juste ici. Et juste là, il y a la cheminée. Est-ce que c'est bien cette cheminée-là qu'elle allait dans la vidéo? Ok oui, c'est bien la même, on peut passer à travers. Et du coup, elle dézoomait et elle arrivait à trouver une lettre. Alors comment elle faisait? Ok, mince, je suis passé à travers. Faut que j'essaie vraiment de faire comme elle dans la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement remonter sur la cheminée. Hop là, comme ceci. Et ah, attendez, peut-être de ce côté-là, non. Et comment elle faisait dans sa vidéo, elle? Donc ok, là, elle active le panneau et juste après... Ah, c'est pas la même cheminée. Elle va aller dans cette cheminée-là, regardez juste ici. C'est une cheminée, regardez, comme ceci, attendez. C'est une cheminée juste ici, du coup, dans le salon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver où est cette fameuse cheminée. Donc là, elle est juste vers ici. Et ah oui, regardez, juste là, il y a cette fameuse cheminée. Et on peut aussi passer à travers, du coup. Et qu'est-ce qu'il y a marqué juste en haut? Bah, je vois rien. Je vois rien pour l'instant, en tout cas. Il y a strictement rien. Peut-être si on zoome un peu à l'intérieur, ça peut marcher. Non, je n'ai pas l'impression. Non, je n'ai vraiment pas l'impression. Attendez, on va essayer de bien faire comme lui. Ah, si, attendez, à ce niveau-là. Ah, si! Regardez juste là, il y a bien une lettre. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? On va prendre des jumelles pour pouvoir lire ce que la lettre nous dit. Et peut-être voir si, parce qu'il y avait déjà d'autres lettres dans d'autres maisons de Brookhaven. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Elle a dit quoi? Nous devons être cachés, car ces murs ont des yeux. Comment ça? Les murs ont des yeux qui ne veulent pas vous voir. Comment ça, les murs ont des yeux qui veulent pas vous voir? C'est vraiment hyper effrayant, les gars. Et dites-vous que c'est rien comparé à ce qu'on verra juste après. Elle dit quoi ensuite? Rechercher pour la clé. De quelle clé il parle vous permettra de découvrir la vérité que vous avez était caché. Ok, donc apparemment il y a une clé qui permet de découvrir la vérité de cette maison. C'est vraiment hyper effrayant. On va voir qu'est-ce que cette clé juste après. Et en attendant, on va voir qu'est-ce qu'elle montre juste après du coup. Ok, qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle nous montre du coup la lettre en traduit, vu qu'elle du coup elle est espagnole. Elle la montre en traduit espagnol. Ça, on s'en fiche un peu. Je l'ai traduit en français déjà. Et regardez,
Ok, elle va aller chercher une clé là. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend où là? Elle se rend dans la prison en bas. Et juste ici, normalement, du coup, il devrait y avoir la clé dans le mur. Ok, donc normalement, elle était bien cachée quand même. Elle était cachée dans un mur de la maison. On va essayer de descendre juste en bas du coup pour aller voir est-ce que la clé est bien juste ici. Donc là, tac, on va directement ouvrir ceci. Nickel, on peut rentrer. Et là, est-ce que dans le mur, il y a la clé? Ça ne veut pas du tout ouvrir. Attendez, il y a strictement rien dans ce mur. Peut-être que c'est pas la bonne prison. Peut-être juste en face. Non, il y a strictement rien dans ce mur. Attendez, comment elle fait? Elle, ah, elle, c'est dans un mur en brique. Ok, elle va dans le mur en brique juste à droite, d'accord. Donc du coup, dans le mur en brique juste ici, est-ce qu'il y a un truc de caché? J'ai pas l'impression pour l'instant. J'essaie de cliquer un peu partout. Je n'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un truc caché pour l'instant. Attendez, doit forcément y avoir quelque chose où on peut cliquer quelque part juste ici pour ouvrir. Et donc non, là ça fait monter. Oula, non, non, c'est pas ici. Et ok les gars, je viens de comprendre pourquoi ça marchait pas. C'est parce que du coup, il faut pas aller dans ces trucs-là, donc dans cette prison-là. Mais allez dans celle-ci et regardez, là il y a bien un bouton sur le mur que je peux totalement cliquer. Et je peux bel et bien récupérer la clé. Attendez, mais c'est hyper effrayant. Et du coup, à quoi sert cette clé juste après? Donc là, elle récupère la clé et elle remonte juste en haut. Et qu'est-ce qu'elle fait juste en haut? Elle essaie de se coller avec le mur à la clé. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait avec la clé? Elle se met devant les papiers juste ici, je ne comprends pas du tout. Les gars, c'est vraiment trop bizarre. Et oh, la lumière va se couper. Putain, mais quoi? Et ça va faire apparaître un message du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer directement de remonter. Et je vais quand même m'équiper d'une lampe torche parce que ici, il fait vraiment très sombre, on voit pas grand chose. Et on va essayer de remonter et d'aller avec la clé du coup faire comme elle a fait. Donc elle prend la clé. Elle fait quoi? Elle saute ici collée au mur. Et regardez, vous avez quoi? Mais ça j'ai l'impression que ça électrocute le tout. Regardez, et ok, il y a plus du tout de lumière les gars. Qu'est-ce que ça fait? Ça rallume, ça éteint, ça rallume, ça éteint. Quand je saute j'ai l'impression ça un coup ça rallume, un coup ça éteint. Et il y a ce mot qui a été laissé. Et qu'est-ce que nous dit ce mot? Il nous dit quoi? Prenez garde, car si je vous le dis tout autant, il y a un autre livre, il y a un autre livre qui est destiné à vous égarer de la vérité, donc à vous dire des mensonges, et qui va vous ramener vers les ténèbres. Hein? Mais quoi? Gardez en vous, car la lumière est en nous tous. Les gars, c'est vraiment beaucoup trop effrayant ce message. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vraiment hyper effrayant. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Là, elle réagit au mot, d'accord. Et elle se rend juste devant. Ok, d'accord. Et attendez, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Mes lumières se sont rallumées totalement tout seules. Les gars, il y a clairement un problème. Attendez, je vais essayer de fermer ma maison à clé quand même. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment trop effrayant. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Je vais essayer d'aller me cacher. On va essayer d'aller se cacher à l'étage dans un des endroits secrets là. Mais il s'est passé un truc vraiment effrayant. Attendez, on va essayer de se cacher à l'étage. Est-ce que je peux passer à travers ce mur? Non, pas du tout. Peut-être une autre chambre juste ici, c'est parfait. Je vais passer à travers ce mur-là. On va se cacher ici. Et je vais essayer de rester caché quelques temps là. Parce que je sais pas pourquoi j'entends des bruits en bas là. Il y a clairement un truc qui est beaucoup trop effrayant. Donc, ok, là c'est bien fermé. Mais juste ici, et qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourtant j'ai bien fermé la maison les gars. Comme vous voyez, j'ai vraiment bien fermé la maison et tout. Et il est juste en bas de ma caméra là. Qu'est-ce qu'il fait juste en bas? Il regarde la caméra. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça fait dans ma maison? Les gars, c'est vraiment trop effrayant. Ok, donc pour l'instant, il y a rien en bas. Ok, on va essayer de revenir peut-être là où il était. Il était dans le salon. On va essayer de revenir dans le salon du coup. Et il est plus du tout là. Les gars, il est plus du tout dans le salon où il était il y a quelques secondes. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Il est plus du tout ici. Il était dans le salon il y a quelques secondes là. Et là, il est plus du tout là. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Attendez, mais quoi? Il est pas à l'étage, il est là. Attendez, j'ai pas rêvé, on va essayer de changer et de revenir sur la caméra. Il est juste là. Regardez là, je peux essayer de l'observer avec la caméra. Mais oula, ok. Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, c'est vraiment beaucoup trop effrayant. Attendez, mais quoi? Attendez, on va essayer de revenir sur la caméra là. Attendez, mais il était dans le... En bas, il y a deux... Attendez, quoi? C'est moi ou je viens de le voir là? Il est juste là. Les gars, il est clairement juste ici. C'est beaucoup trop effrayant, c'est mort. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement me téléporter loin d'ici. Là, on va se déconnecter de ce serveur. Écoutez, on se retrouve sur un nouveau serveur là, parce que lui il me fait beaucoup trop peur. Et ok, c'est bon, du coup je suis sur un tout nouveau serveur. Et cette fois-ci je vais vous montrer ce pourquoi vous êtes là depuis le début de la vidéo. Le jeu sur Roblox qu'il ne faut surtout pas rejoindre. Et là vraiment, tenez-vous prêt parce que c'est vraiment hyper effrayant. Et donc on va directement regarder le TikTok qui présente ce jeu. Donc jeu à ne jamais rejoindre dans Roblox. Et c'est vraiment réel, regardez, le TikTok a 350 000 likes, 350 000 personnes qui ont essayé et qui ont bien dit c'est réel, ce jeu il ne faut jamais le rejoindre. Ok, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est du coup ce jeu. Et ce jeu c'est Smile. Ok, quand tu rejoins le jeu, il va y avoir une balle qui te poursuit, d'accord. Et peu importe ce que tu fais, tu ne dois surtout pas toucher la balle. Et si tu touches la balle, ton écran va complètement s'éteindre
Et quand tu vas essayer de quitter le jeu, du coup, ton compte Roblox va être complètement supprimé. Hein? Mais comment ça se supprimer? Attendez, mais j'ai pas envie que mon compte soit supprimé, moi. Heureusement, elle dit, il y a des chances que ce soit faux, mais à ce qui paraît, du coup, il y a eu beaucoup de témoignages comme quoi c'était réel. Donc, ce que je vous propose, les gars, c'est que j'ai retrouvé ce jeu sur Roblox, les gars. Smile, il est juste ici actuellement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va directement essayer d'aller rejoindre le jeu. C'est bien le même que l'image qu'elle a montré. Attention, 3, 2, 1, on va essayer. Et ok, qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu? Les gars, j'ai vraiment beaucoup trop peur là. Qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu? Ok, on rejoint le jeu. Et ok, déjà l'écriture est très bizarre. C'est pas du tout une écriture comme dans Roblox normal. Et ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis la première personne? Et qu'est-ce qui se passe ici? Il y a ceci, il y a des trucs de lumière. Et il y a ça devant l'entrée. C'est vraiment hyper effrayant en tout cas. Il y a un portrait comme ceci de... Ah, ça dégoûte les gars, je vais éviter de trop longtemps me concentrer sur ces portraits parce que ça dégoûte de fou. Et ok, on va essayer d'avancer un peu. J'ai pas mis le son, est-ce que le son est important ou pas? Je vais essayer d'activer. Oula, je vais pas vous mettre le son les gars, je ne vous mettrai pas le son parce que le son est vraiment horrible. Ça fait vraiment hyper peur. Donc ok, pour rentrer ici, il faut une clé. Ici, il faut une clé aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on peut pas rentrer non plus, d'accord. Et là-bas, on peut y aller. Et ok, du coup, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Pour l'instant, je ne vois pas du tout de balle qui me poursuit. On va essayer peut-être d'activer le son quand même en fait. On va activer le son et qu'est-ce qui se passe du coup? Oula, déjà quand je marche ça fait beaucoup de bruit. Ouais, et pour l'instant il n'y a pas de balle du tout par contre. Les gars, j'ai l'impression que c'est bien un mensonge en tout cas ce jeu. Il n'y a rien du tout pour l'instant sur ce truc Roblox les gars. Et oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bordel, les gars, qu'est-ce que c'est que ces masques? Ça fait un bruit hyper effrayant les gars, je sais pas ce que c'est que ces masques. Mais ça fait un bruit hyper effrayant, ok. On va essayer de s'aventurer dans ces masques. Oh là, les gars, ça fait un bruit vraiment hyper effrayant. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ok, on va avancer, on va continuer d'avancer. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc tout rouge là-bas. Faut pas que je tombe. On va essayer d'aller vers ça. Qu'est-ce que c'est? Mais là, si je saute, je vais tomber. Pourquoi tous les masques, ils regardent vers moi? On va essayer d'avancer. Je crois que je dois aller dans le truc rouge. Oh non, je suis tombé. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, les gars, c'était beaucoup trop effrayant là, ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose peut-être dans le monde que ça? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans le monde. Et non, j'ai bien l'impression que peu importe où on ira, on tombera sur ce truc de masque en fait. En fin de compte, d'accord. Et ok, oula, je vais couper le son, les gars. Ça fait beaucoup trop peur. J'ai réussi du coup à passer le masque en tout cas. J'ai réussi à passer à travers le truc. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout rouge autour de moi. C'est vraiment beaucoup trop effrayant. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est déformé autour de moi les gars? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment pas envie que mon compte Roblox soit supprimé. Vraiment abonnez-vous pour me soutenir parce que j'ai vraiment pas envie que mon compte soit supprimé. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avancer mais j'avance à l'infini. Les gars, mais je... Hein? Ok, je tombe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça les gars? Il y a un grand monstre et juste là il y a une espèce de meuf, je sais pas ce que ça fait là. On va essayer de les esquiver et d'avancer, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les gars, je sais pas du tout vers où je me dirige en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et c'est quoi ce... Oh bordel, ça fait beaucoup trop peur. Qu'est-ce qu'il y a juste ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, qu'est-ce qui se passe juste ici? C'est vraiment beaucoup trop effrayant. C'est clairement pas normal. Ok, on va essayer de se diriger vers peut-être ce truc. Non. On peut sauter peut-être, non, pour monter. Je sais pas. Les gars, je vais essayer de monter en haut, mais j'ai l'impression que ce n'est pas trop possible. Peut-être faut essayer de sauter de truc en truc là. Non, c'est même pas possible. Mais les gars, je sais pas du tout ce qu'il y a à faire avec ce monde. Heureusement, j'ai l'impression que mon compte Roblox n'a pas été supprimé. Les gars, c'est vraiment trop effrayant. Bref, sur ce, du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à rejoindre mon groupe Roblox. J'ajoute tous en amis qui sont abonnés, qui ont rejoint mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire.